Bon, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Waouh, ça arrive de partout, il y a de la propagne, il y a de la propagne. Attention, Nounours, Drakkar, Triple 6, Barracuda 56, est-ce que vous êtes en fréquence pour Dandy 33 qui vous appelle? Attention, les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel depuis Saint-Émilion, les bas de Saint-Émilion, Saint-Laurent-des-Combes. Il a changé un peu de direction. Devant vous, la colline de Saint-Émilion. La Cafelière. Avec tout le pinard qui est ici, ça peut passer au niveau des ondes. Ça fait un sacré plan de... J'allais dire sacré plan d'eau, mais bon, c'est pas vraiment le mot que je cherchais. Provincia
frecuencia para posible contacto 17590. Pues ilegalmente 590 es española 590 La CQ Provincias Españolas, Britán Romeo Charlie 571, Vía Costa Atlántica llama. Imita frecuencias para posible contacto 17590. Pues irá 17590. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis Saint-Émilion. Le pays des ivrognes. Oh ben zut, je suis bleu, il n'y a personne qui répond. Les 73-51, les stations fréquences de la part de Dundee 33 à Mobile sur Saint-Émilion. Thank you.
Alors là, il est 19h50. Voilà. C'est bien. Ouais. Ouais. Et département français. Vous voyez que les routiers, ce sont le 19. Ça chauffe quand même, hein, les remparts, faut pas croire. Hein. Ah ouais, il y a des casse-pompes qui se mettent dans d'autres modes. Zut. Bon, c'est pas grave. La FM passe très fort en ce moment. Et alors, là, on est en plein sur les sur l'Angleterre. Ah, pour les novices qui découvrent la CB, ben oui, mais quand la propagation est là, même depuis une voiture, ça passe très bien. Hein. Je parlerai la langue que là, je pourrais converser avec eux, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être l'Allemagne aussi avec, je sais pas. J'arrive pas à reconnaître là. Avec certains, c'est un peu compliqué. Ah, je passe bien. Ah, la Belgique. Ah oui, non, d'accord, ok. Ouais, il passe bien. Thank you.
parfait, qui paye, rassurez-vous. Bonsoir à vous deux. Je vous écoute depuis un petit moment, mais alors je me sens bien en forme par rapport à ce que je viens d'entendre. Je crois qu'on est voisins. Oui, non, mais bon, bref, c'est 5 euros maintenant. Là. Allez, je vous laisse en bonne soirée. Moi aussi, j'ai commencé à l'époque des 22 canaux FM. J'avais un petit Philips. Ouais, le 11. Ah oui, passe bien. Oui. Alors là, c'est une autre fréquence d'appel DX, mais en Lima, Sierra Bravo.
Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc 21h25, ouais, c'est parti pour faire comme hier soir. Quand la lumière baisse, le vert est trop flashy. Le bleu est pas mal. Il passe un peu partout, quoi. Ouais, j'aime bien. La vache. J'allume la voiture. Oh, oh, oh. T'as raison, c'est pas de son, y a pas de problème. Les 73-51 des stations fréquences de la part de Dundee 33 en mobile arrêté sur Saint-Émilion. Ah, tu vois, c'est vachement fort quand même.
en a qui passent bien là sur Saint-Émilion là. Il y en a qui passent fort. Ouais, il y a Dundee 33 là. Oh, ici chewing-gum dans le 62. Le 62? Mais je te croyais à côté de moi. Les 73-51 affirmatif de Dundee 33 en push arrêté sur Saint-Émilion. Encore du bien. Qui est Dundee? Bah, c'est le signal de 9, radio de 4 là pour moi. Hein, ça fait du bien. Bah, hey, 9 aussi. Je ne vois pas autre part que sur le forum. Eh bien, de mon côté, c'est pareil, hein. C'est un signal de 8, 9, c'est nickel, hein. Je suis en train de faire une petite vidéo, là. Enfin, je dis ça, mais bon, à chaque fois, c'est toujours des petites vidéos qui durent 3 heures. Ah, je suis 3 coups. Ok, bah dans ta vidéo, tu pourras dire que chewing-gum était là. Chewing-gum, 14 km, 62-14. Ah, t'es dans la boîte. Je ferai au plus vite demain matin en débauchant pour travailler la vidéo. Comme ça, demain après-midi, je mettrai ça en ligne. Ok, n'oublie pas, hein, pour septembre, tu m'envoies ton itinéraire ou quoi pour savoir si tu passes. Comme ça, je fais un rassemblement et puis que tout le monde te puisse te voir. Alors pour septembre, oui, les 73-51, les autres stations que j'ai entendues derrière. Alors pour septembre, je ne sais pas du tout comment ça va s'organiser sur le Pas-de-Calais. Ce qui est sûr, c'est que je serai un petit peu sous, comment dire, dans la déconnade, sous le commandement de l'ingénieur en chef. De l'XYL, ah, je trois coups, elle n'est pas là, j'en profite. Donc, c'est on y va là-bas parce que, bon, comme tu le sais, il y a le fiston qui habite là-haut maintenant. Donc, à quel moment j'aurai quartier libre pour être en fréquence et tout, j'en ai aucune idée. J'aurais bien envie de te dire H24, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait une qui soit d'accord. Ok, bah, t'inquiète pas, moi, ensemble, ils vont dépatouiller tout ça. Quel temps qu'il fait dans la Gironde? Ah ben, c'est un grand beau soleil. Ah oui, c'est vraiment un grand beau soleil. Je peux pas te montrer, tu pourras pas voir sur la caméra, je veux dire. Ou alors si, mais au début, quand j'étais sur la route. Donc si tu remontes en arrière par rapport à là où je te parle maintenant, tu verras que là, effectivement, sur la route, là, c'est un grand beau soleil. C'est un magnifique soleil. Bon, la température est quand même plus agréable que ce qu'on a eu dernièrement avec des plus de 40 et quelques. Là, c'est, on respire un peu, là. Ok, bah c'est tout bien. Hein. Nous aussi, on respire bien aujourd'hui. Hein. C'est du 20 degrés, un petit peu couvert, donc ça va tout bien. Voilà. T'as les 88 de mon général Sonia, mon YL. Là, je sens que le rouleau à pâtisserie n'est pas loin. Les 88 retournés à madame. Oui, la station qui s'est signalée. Bon, il y en a un qui n'a pas compris qu'on était tous en AM sur le 19. Vu comment ça gazouille, il est en BLU. Il s'est trompé. Allô? Ouais, les 213-51 de Dundee 33 en push arrêté au pro sur Saint-Émilion. Ok, Dundee, le 73 de Laurent, 14 km. Saint-Émilion. Tu es avec Lolo, tu n'as pas de calais, bah, habitude. Hein. Ouais, c'est surtout. C'est surtout. Mais tu en as 34, tu t'es à Brochon. Dans le Valois, tu lances un tel, et on passe en train de l'écoute, et on va essayer d'habiter à tous les villes, Pat. Tout ça en tournée, le Pas-de-Calais également, les autres stations également. Et oui, je suis au pays des ivrognes là. Alors dire au pro sur un KTH comme ça, je sais pas si je dis pas une connerie là. Je le sens bien quoi. Enfin bon, pour l'instant ça va, j'ai pas trop de vapeur de pinard qui me montonnait, c'est pas la période.
ça. Alors, pour la petite anecdote, et c'est pourtant très vrai, je déteste le vin. Et où j'habite, en plein milieu des vignes, et là où je bosse en ce moment, en plein milieu des vignes. Ah ben alors là, comme ça, je suis servi, moi. Ah si, bon, je vais pas me plaindre, le cadre est quand même agréable. Là, hier soir, demain soir avec, là je suis en plein là sur la colline là, de Saint-Émilion, et c'est vrai que là ici, pile là où je suis, ça arrive de partout. Ça arrive de partout, puisque la nuit dernière, toute la nuit, j'ai entendu des QSO à droite, à gauche, des QSO francophones également. Hein. C'est comme quoi il y a des noctambules qui sont sur les ondes. Hein. Je pensais pas qu'aujourd'hui, la nuit, on pouvait trouver des noctambules comme ça en QSO sur les ondes par rapport à autrefois. Mais si, il y en a quand même. Et 73-51 retournée de Dundee 33, voilà, et ouais, c'est, puis en plus de ça, plus je parle fort, et plus ça fait monter le petit effet d'écho. Je vais essayer de parler un peu plus normalement. Voilà, ce qui fait que là, il doit être juste un petit peu à peine, là, comme ça, derrière. Alors, de mon côté, j'ai eu le temps de voir, et j'ai zappé. Oui, je crois que c'est un signal de 8. Une bonne radio de 5, mais bon, avec la cacophonie qu'il y a sur le 19, ça l'a un petit peu écrasé, un petit peu au passage. Mais ça passe vraiment bien, là, ici, là, sur Saint-Émilion. Là, je suis carrément en haut, hein. Là, sur, je suis haut pro, là, carrément en haut de Saint-Émilion. Ouais, alors là, côté vin, pour ma part, je suis tranquille. J'aime pas le vin. J'en ai vexé quelques-uns, comme ça d'ailleurs, qui m'ont fait goûter soi-disant des meilleurs. Et bien, j'aurais dit comme ça, mais je vois pas la différence avec le picrate qui est vendu en grande surface. Oh putain, là, j'avais vexé du monde, là, sur le coup, et plusieurs fois comme ça. Et au QRA, il y en a que. Là, j'en ai qui m'ont déjà offert des bouteilles et tout, ça. J'en ai là au QRA, ça doit faire bien 20 ans, oui, facile, qu'elles sont rangées dans un coin. Et je suis pas prêt à y toucher, quoi. Je sais pas, c'est ce goût acide, là, cette amertume, cette acidité qu'il y a dedans qui. Et peu importe, blanc, rouge, vert, violet, rose, hachi. Peu importe, ça passe pas. Par contre, un apéro indigestif, ah bah là c'est plus pareil là. Là je dis pas non. Le pousse rapier, c'est le truc du cœur d'Armagnac avec du vin fou, ça vient du Gers. Bah, j'entends bien en région parisienne, ainsi à 2-9 du 10, une radio de 5 avec un bon écho. Donne les indicateurs d'apparition pour Chris. Ok Patrice, 73-51 retourné. Oui, la station qui lance appel là derrière sur le 19, les bonnes 73-51 de Dundee 33 sur Saint-Émilion. Ok, station Saint-Émilion, je te laisse, moi j'ai pas son en position horizontale hein, parce que j'ai pas dormi la nuit dernière. J'ai fait de la mécanique, alors habitez à toi et puis bonne question et bonne soirée et puis bonnes vacances si tu vas en vacances. Salut, ciao. Ok, à plus tard. Enregistré René, pour les vacances, ça sera moi début septembre. Là, je suis au pro, là, je suis au boulot. En plein milieu du Pinard, être au boulot, je sais, c'est pas très compatible, mais pourtant j'y suis. Oui, la station qui m'appelle, 113-51 de Dundee 33, en push arrêté sur Saint-Émilion. Oui, en plus j'ai du QRM là de mon côté, là c'est pas évident. C'est dans la nuit, ça ira mieux là, je pense. Et là pour le moment, c'est vrai que ça gratouille un petit peu derrière, c'est pas évident pour sortir quelqu'un là. Et pourtant, il est pas très fort le QRM de mon côté, mais il est bien présent dans le haut-parleur. Quoi, la propague a tourné déjà?
Bon, ben, ce qui est pris est pris. Les 113-51, les stations en fréquence, je repasserai tout à l'heure de ce côté-ci sur le 19. J'allais voir du côté de la BLU ce qu'il y a en faisant un petit crochet par la FM par la même occasion. Car il y a l'Allemagne, l'Angleterre, il y a tout ça là qui passe également. C'est dans une joyeuse cacophonie. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Putain, j'ai réussi à faire une phrase. Hachi. 73 Indy, René 6-2. Ok, René 6-2, je croyais que tu avais perdu. Je pensais que la propague était retombée là de sur les départements. J'étais prêt à aller voir ailleurs. Ok, René 6-2, les 73-51 de Dundee 33. Pardon, je suis en train de m'étrangler. En push arrêté au pro sur Saint-Émilion. Ok, Saint-Émilion, le pays des Yvonne. Je me rappelle de la France là. Ouais, je suis bien sorti vivant, là, avec mon filet, là. Voilà, à toi, Bindé, pour René. Ok, René. Alors, je blague à ce niveau-là, parce que, bon, Saint-Émilion, c'est quand même connu dans le monde entier. C'est un truc prestigieux et tout. Mais quand tu grattes un petit peu la carapace de prestige, qu'est-ce que tu découvres? Un tas d'ivrognes. Je sens qu'il y en a qui vont encore m'assassiner dans les messages après sur Internet. On va bien rigoler avec ça encore. Ah, ok. Voilà, c'est complètement parti. Là, j'étais un peu perdu, là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai du QRM en plus. Là, ici, là, c'est pas évident. Bon, allez, puisque ça a l'air de baisser, là, au niveau propag, j'en suis pas sûr, mais bon, en tout cas, sur le 19, ou alors c'est le QRM qui est monté, là, de mon côté. Ça, c'est bien possible, parce qu'en plus de ça, j'ai un petit peu de matériel, là, dans le push, que je peux pas forcément débrancher entre les chargeurs de téléphone et tout, c'est pas forcément évident. Plus mon PC portable qui est posé à quelques centimètres, ça génère du QRM tout ça, et c'est pas évident. Bon, je repasserai tout à l'heure de ce côté-ci. Allez, je vais me balader un petit peu, je vais aller surfer un petit peu à droite à gauche, voir un petit peu ce qu'il y a. A plus. Ah, ok. Rémi, je te saluerai sur Facebook. Allez, merci, peut-être à tout à l'heure, on ne sait jamais. Allez, bye, tu salueras tout le monde partout là-bas. La voilure. Ok, ça marche, 57 de mon côté. Ça marche, j'allais me promener à plus tard. Ok, merci, bonne promenade. Alors. Ah zut. J'espérais avoir les copains qui a du côté des Landes là tout le quart sud-ouest. Hein. Mais avec la propague là c'est pas évident. Du coup ils sont en train de profiter de leur côté. Pour une fois que je suis au bon endroit pour les attraper. C'est pris partout. Pas évident. Thank you.
J'en étais sûr qu'il y avait du monde derrière. Quand on prend la piqûre de la radio. Comme dirait l'autre. Quand on prend la piqûre de la radio, c'est mortel. Et puis il n'y a pas de vaccin contre ça. 485. Ah oui, bon d'accord. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 qui propose un QSY sur le 27 515 27 515. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi en push arrêté sur le sud-ouest France, département de la Gironde, QTH Saint-Émilion. Foutu QRM. Il y a quelqu'un derrière, mais bon. Non, je crois que c'est un... Ah non, c'est un QSO. Pas de sortir. Ok, pour ça, je t'envoie Cédric, je t'envoie les voix 73, 212 à ton QRM. Et je te dis à bientôt, Cédric. Je suis désolé pour toi, mais il y a un QSO là-dessus, c'est dur, dur. 73, dans Charlie Papa 80, l'opérateur Philippot. Bye bye. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 qui propose un QSY sur le 27 575 27575. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en push arrêté sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, QTH Saint-Émilion. Désolé, mais j'ai rien compris.
poisse. Et moi qui allais lancer appel dessus. Hésite. CQ DX, appel de 14 km 3301 qui propose un QSY sur le 27 415 2 7 4 1 5. C'est parti pour moi. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile. Depuis le sud-ouest de France, au département des Gironde, QTH, Saint-Émilion. Bon, eh bien, je crois que j'aurai ça un peu plus tard. Ah. Oui, les 73 du département 02, du département 33, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, en push arrêté sur Saint-Émilion. Ah la vache quand même. De mon côté c'est du 55 hein. Là c'est du bon 55, une bonne radio bien percutante, mais le signal ne monte pas plus que le 5. Ou alors c'est mon vumette qui est un petit peu radin. Mais là ça passe vraiment bien là de mon côté là sur le QTH. Là je suis en push arrêté là en plein là sur les hauteurs là, de Saint-Émilion. Ici sur antenne directionnelle, la cubicle quad 4 éléments, double polarité à 11 mètres du sol, dirigé vers vous. Le poste est à Kenwood TS 990S, 180 watts en modulation, et le microphone est un PR780G. Voilà Rémi, vous avez tout, retour. Ok, merci pour le retour. Oui, effectivement, j'ai vu le signal monter un petit peu, donc vous avez réajusté un petit peu l'antenne, je pense. Puisque là, c'est monté avec un signal de 7, là, de mon côté. Alors moi, de mon côté, les conditions de trafic, eh bien, c'est un Président Lincoln 2, avec comme antenne une Wilson 5000, et au niveau puissance, eh bien, je suis grosso modo comme vous, voilà, pareil, là, dans le push. Ouais, ok, moi, ça fonctionne bien, Rémi, c'est monté à 20 dB ici, ça arrive très très bien, voilà. Ouais, ok, ouais, bah oui, je comprends ça. Et effectivement, là, ça devait être dur. Et c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu plus habituel de telles températures. Quoique, on a souffert quand même ici, là, sur le sud-ouest, hein, là, avec ces fortes chaleurs, là, qu'il y a eu ces derniers temps. Et ben là, pareil, hein, côté WX, c'est un grand beau soleil qui est en train de se cacher, là, sur l'horizon. Et autrement, ouais, c'est vrai que là, en ce moment, c'est vraiment pas évident. Quoique, là, aujourd'hui, on respire. Là de hier, aujourd'hui, là ça fait deux jours là, qu'on respire un petit peu mieux là, sur le sud-ouest de France. Mais j'imagine que de votre côté, qui n'êtes pas vraiment habitué aux fortes chaleurs comme ça, c'est vrai que c'est d'autant plus dur à gérer. Hein. Et d'ailleurs, j'ai mon fils qui est du côté nord-ouest, c'est-à-dire sur le Pas-de-Calais.
Et il est monté justement habiter là-haut pour ces raisons-là, pour avoir moins chaud. Mais pour lui, cet été, ben, c'est raté. Vu ce qu'on a vu affiché à la télé, c'est raté complet. Je suis trois coups, retour. Ah oui. Ouais, mais de mon côté aussi, hein, c'est descendu au niveau du QRM que j'ai là ici, là en ce moment même, c'est-à-dire j'ai un QRM de 3 sur le QTH. Et civilité retournée, les 73 à vous, profitez bien de la propague. Merci pour le QSO, au bail. Au plaisir également, de mon côté j'ai entendu un break, les 73, le break de 14 km, 3301 Rémi, en push arrêté sur Saint-Émilion. Ok, 73 Rémi de 14, ici Hôtel Jackie, la région de Duplagier, voilà, ça va être très bien là, sur ma station, je salue ainsi votre station aussi, je ne sais pas d'où j'étais, voilà, Saint-Émilion, oh mon Dieu, ah, c'est normal, avec le bon pilote là-bas. Tiens, c'est ce que je disais cet après-midi sur la route sur la route en allant au pro. Les 73 de Blayet, donc la station qui était là, que j'ai perdu là du coup, ça s'est retombé d'un seul coup et elle est du département 02. Voilà, et là oui, je suis en push arrêté, et ben, je suis au pro là. Voilà, donc sur Saint-Émilion, alors c'est vrai que Saint-Émilion c'est un lieu prestigieux et tout, mais dans la blagounette quand on gratte un petit peu, sous le prestige, qu'est-ce qu'on y trouve? Une bande d'ivrognes. Ah, je suis trois coups, retour. Oui, quand on est bordelais, quand on soit Saint-Émilion ou les autres, on vit que par le bon bilan. Je ne dis pas qu'on le consomme sans modération, hein. Faut être prudent parce qu'il chauffe vite le coco là. Hein. Ben, disons que si on applique les conseils donnés à la télé, il faut boire énormément. Donc, mais après, oui, c'est donc la modération, elle est où? Alors ça, ben, ça y est. Voilà, de toute façon, comme on dit, un verre après l'autre, ma foi. Non, je plaisante. Ok, bon, allez, je partais au pas votre vaisseau. J'avais envie de sortir mes petites plaisanteries là. Voilà, comme un vieux de 81 ans là. Ah, je suis trois coups. Ah ben, de toute façon, le QSO avec le département 02 a fait plouf, plouf, plouf. Vu que il m'arrivait bien, et puis d'un seul coup, là, c'est parti en cacahuète. Ah oui, plouf, boire, cacahuète. Ah ben oui, tout ça, ça va ensemble. Alors, donc là, il n'y a plus de QSO. Ok, puis là, je suis en train de regarder l'heure. Ouais, allez, il faut que j'aille bosser un petit peu quand même. Les 73 à vous, le blayé, là, de votre côté, voilà, de la part de 14 km, 3301, Rémi, Dundee 33, voilà, en push arrêté au pro pour la nuit. La nuit dernière, j'étais déjà là. Alors, la nuit, j'ai été surpris, vu que là, je suis bien placé, j'ai été surpris de voir les QSO qu'il y a tout au long de la nuit. Il y a des noctambules, hein. Et j'ai entendu justement, j'ai même fait quelques QSO comme ça, il y avait des stations françaises, hein. Donc, même la nuit, ça arrive à être actif sur le 27 mégas. Alors, je pensais que ça, c'était une page qui était tournée par rapport à ce qu'on a connu autrefois. Mais non, non, même la nuit, on arrive à trouver des stations, quoi. J'étais un petit peu surpris, mais bon, agréablement surpris, bien entendu, hein. Allez, il faut que j'y aille. Les 73, merci pour ce petit passage de décontraction des neurones sans bulle. Et là, ouais, je vois, là, il est pratiquement 22h. Il va falloir que je réagisse quand même. Hachi 3 coups, 73, merci. Ok, 73 de Jackie, là. Bonne continuation, bon pro. Et puis, avec grand plaisir de reposer des derrière. Bye bye. Ok, merci Jackie. Ah mais Jackie, non, je me trompe de station, je pense. Jackie, non, je me trompe. Ah ben non, puisque vous êtes sur le Blayet. Non, non, je confonds avec une station qui est sur Bordeaux Nord.
Justement, j'avais des questions techniques à lui poser. Quand l'occasion se présentera, je sauterai sur l'occasion et puis puis voilà. Ok, merci pour le QSO, les 73. Bye, profitez bien de la propague. Ok, au fait, qu'est-ce que j'ai fait sur le 27464? Ah, t'es, j'ai cru me mettre sur le 27465 et puis je me suis... Attends, je relâche pour voir. Ah ouais, je suis sur le 27464. Comme quoi, j'ai tourné le bouton d'un cran de trop et je me suis décalé en fréquence sans le vouloir. Ok, bon allez, il faut que vraiment j'y aille. Voilà, 22h pratiquement. Il faut vraiment que j'y aille. Les 73, merci d'avoir corrigé pour vous recaler sur moi parce que c'est purement involontaire. J'ai tourné un cran de trop pour atterrir là, quoi. Ah, je suis trois coups. Merci, 73. Merci, bye. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah, mais... Ah non, 27... Non, mais n'importe quoi. Après, on va dire que j'ai bu. Non, mais n'importe quoi. J'ai les yeux qui se sont croisés. Ah ben, heureusement que j'ai rien bu, quoi. On peut me faire passer l'alcotest, j'ai rien bu. Non, non, c'est moi qui... Je me suis trompé, je suis... N'importe quoi. J'ai dit que des conneries, là, au niveau de la fréquence. Ok, merci, bye. 27640. Non, mais n'importe quoi. On coupe. Non, trop tard. Je suis sûr que l'OM, il a dû rien comprendre à la connerie que j'ai sortie, là. Et je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, en plus. Pour la fréquence... Il va falloir... Ah, je... Non, mais là, il faut. Hein. Zut. Et zut. Oui, le département 01 pour le département 33. Les bonnes sont très à vous. Ouais, ok, c'est pas évident. Hein. Je crois que j'ai entendu un Brésilien qui arrivait bien. Et je crois qu'il y a quelqu'un du sud-ouest de la France. Allez-y. Oui, les 73 à vous de 14 km 3301, opérateur Rémi, sur le département de la Gironde en QTH, push arrêté sur Saint-Émilion. Bien, la propagation est bien ouverte. 55. Ça varie beaucoup, hein, ce soir. Il est 22h02, donc j'ai un petit peu aménagé. Oui. De propagation à courte distance également de suite de musique dans cette direction-là. J'ai orienté 240 degrés. Ici, 14 km, prénom Jean-Louis. Le département est 01. Je retourne le micro, Rémi, je t'écoute à toi. Ok, bah, de mon côté, c'est du 55. Les 73 retournés, voilà. Oui, ça arrive de partout, hein. Effectivement, c'est soit c'est un mélange de grand local, puisque bon, entre départements français, on peut appeler ça du grand local, Hachi. Et oui, le Brésil, ça arrive de partout. Il y a aussi des pays anglophones, tout ça qui arrive, qui passe également plus bas en FM. C'est toute la plage de fréquence est bien occupée là, un peu dans tous les modes. Ah, les conditions de trafic là de mon côté, et en plus là je suis au boulot. J'étais censé partir bosser là. Faire ma ronde exactement parce que je suis agent de sécurité. Quand je vous ai entendu appeler, quand je t'ai entendu appeler le sud-ouest de France, ah, ben, j'ai dit bah non, là il y a une assistance, là il y a une obligation, là, il y a des obligations là.
Oui, donc les conditions de trafic là de mon côté, c'est le président Lincoln 2+, et comme antenne une Wilson 5000, plus la boîte de Mirror qui entre. Au turbite. Si. Oui, affirmative 100% QSL. Je pousse un petit peu plus. Hein. Voilà. Oui, pourtant, j'ai le Roger Beep qui est enclenché derrière, justement, pour essayer d'aider un petit peu les OM. Là, quand je relâche le micro, là, savoir quand je relâche, justement. Ok, ben c'est des sacrées bonnes conditions de trafic. On dirait presque de la IFI SSB. C'est vu avec un micro de studio et tout, bravo, c'est une belle installation là qu'il y a là. Hein. De mon côté, c'est vraiment nettement plus modeste, puisque sur le Lincoln 2+, eh bien, vu que je suis en mobile, je suis en même temps là sur le micro d'origine. Voilà, et côté whisky, là je dois être à 190, un truc comme ça, autour de ça. Ouais, 190-200, pas plus, là, au niveau whisky. J'irai pas au-dessus. J'irai pas au-dessus parce que ça sert strictement à rien. C'est la Propag fait bien son travail de son côté. Peut-être un peu trop, là, pour l'occasion, vu qu'il y a le Brésil qui arrive plein pot, là, ici. Et pour le Brésil, oui, effectivement, c'est tous les jours qui passent, le Brésil. Hein. C'est vraiment tous les jours. Et je regrette de ne pas avoir pris à l'école les langues étrangères, que ce soit anglophone, portugais, espagnol. Ça me serait bien pratique aujourd'hui. H3 coup, retour. Oui, 100% QSL, ah ben, c'est comme ça depuis cet après-midi. Hein. C'est travaillant la nuit, je me suis levé à 16h, j'allumais le poste et c'était déjà comme ça. Hein. Donc en ce moment, je dirais pas que c'est H24, mais presque. Puisque la nuit dernière, j'étais également là au même QTH. Et toute la nuit, ouais, effectivement, j'ai eu des passages du Brésil, de l'Espagne. J'ai même eu des stations, j'ai même entendu des QSO français de d'autres régions en plein milieu de la nuit. Donc là, la Propag tient bon en ce moment, avec un petit peu de fading par moment et tout, ça, bon, ça... Mais bon, elle est là, elle est constamment là, quoi. Et même quand, dans les moments où on n'entend personne, avec le souffle qu'il y a derrière, on sent bien que la Propag est là. Oui, il faut vraiment que j'y aille. 22h07, il faut vraiment que j'y aille. Les 73 à vous, oui, je dis ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis au pro. Je sais, ça se voit pas. Donc, bon QSO à vous, bon dé. Bonne Propag et à la prochaine sur les ondes. Il n'y a pas quelqu'un qui a un aspirateur à QRM et il est toujours là.
là, c'est remonté juste sur la dernière seconde. Bonne soirée. Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Ah, il est 23h20. Ouais, c'est reparti pour un tour. Ça va être encore une super nuit. Bon, là, on n'entend toujours pas les Américains sur ce canal. Quoique. Non. Bon là, il y a trop de bois bas, trop de bois, je veux dire. Bon ben là c'est l'Allemagne. Là aussi. Eh, vous voyez qu'il y a des appels qui se font là. Bon, évidemment, c'est pas français là pour l'occasion. CQ DX, appel de 14 km 3301 qui lance l'appel et qui propose un QSY sur le 27 605 27605. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi. Qui lance appel en mobile sur le sud-ouest de France, Saint-Émilion. J'espère que te rends bientôt. Très content de t'avoir entendu. Ça faisait un petit moment là. Je te souhaite.
Bon, c'est compliqué ce soir avec les QRM que j'ai. Aïe. Il y a du monde. Il est où? Je ne serais pas oublié. Quelqu'un l'a reconnu? Zut. Il est 1h20, il est 1h25, il y a encore de la propague. Bon, par contre, j'ai toujours autant de QRM. Ça, c'est chiant. Il y a du monde et c'est en AM en plus. Canal d'appel BLU, toujours bien actif. Je dis une connerie là. Il
Non, par contre, il est vrai qu'il redevient actif. Alors, 1, 2, 3, 4. Tac. Le Brésil, peut-être. Un, deux, trois, quatre. Deux, quatre. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ouais, une heure et demie presque. Je pense que là, ça va se calmer. Et puis on verra ça demain matin. Bon, ben là, il est 3h30. On peut dire que j'ai plus de QRM. Bon, ben on peut pas tout avoir. Hein. Bon alors, 6h20, 6h25, voyons un petit peu s'il y a des copains qui sont là. Attention, Zulu 33, Zulu 33 pour Dindy 33 qui t'appelle. T'as sur la belette pour Dindy 33 qui t'appelle. Ah ben les jours se suivent et se ressemblent pas. Waouh, ça m'est passé fort là. Les 73-51 de Dindy 33. En push arrêté sur Saint-Émilion. Ouais, 73-51 du Barracuda 56 à Béchac et Caillot. Hé, hey, Barracuda 56, qu'est-ce que tu fais là? Je suis trois coups. Ouais, je suis venu me perdre dans le quartier à Chir. Ah ouais, j'ai vu ça, je t'avais pas reconnu là. Ah si, ce rire. Ah là, oui, ce rire, là, forcément, je peux que le reconnaître. T'es toujours au taf, Oui, oui, je débouche à 7h. Et j'y retourne ce soir, même endroit. Même endroit, je suis bien placé en plus. Alors, autant la nuit dernière, il y avait la propre avec ceci, cela, autant arriver à un moment donné, c'était le calme plat cette nuit. Hein. Ah ok, tu vois, je suis chez mon client là, j'attends qu'il me décharge là, et puis voilà quoi. Donc là j'attends. Ok, d'accord. Autrement c'est vrai que là je me balade moins maintenant. Avant j'allais assez souvent sur Mérignac et tout, bah, comme dernièrement on marque. Mais là de moins en moins. Quoi. J'ai mis un petit peu les roues là côté carburant. Quoi. Parce que là, attends, quand tu vois le prix du carburant, Marc, toi, t'es bien placé pour le savoir, ça fait cher. Hein. Ouais, c'est clair, là, ça commence à abuser. Ils abusent, là. Le gouvernement, ils abusent, il n'y a pas de problème. Ouais, même le patron, là, il a, enfin bon, même toutes les boîtes de transport, ils ont beaucoup de problèmes, là.
Ben oui, tu m'étonnes. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Hein. Non, mais c'est sûr. Hein. De toute façon, c'est vrai qu'on nous dit, on nous colle la faute sur les autres, mais les autres ne sont pas là pour répondre. Et moi aussi, je ne suis pas dupe. Hein. J'ai bien compris que ça vient du gouvernement, cette connerie de hausse comme ça, à fond. Hein. Tout ça, c'est pour obliger les gens à passer à l'électrique. Hein. Et d'ailleurs, l'électrique, sans déconner, c'est une vraie arnaque, ce truc. Hein. C'est déjà la construction des véhicules électriques est plus polluante que les véhicules ordinaires. Parce que bon, les batteries, c'est les batteries au lithium, ceci, cela. T'as de plus en plus de plastique et tout dans les véhicules. T'as rien pour recycler ces batteries. Quand tu les recharges, ça fait tourner davantage les centrales électriques. Attends, là, on nous prend pour des jambons ou quoi, là? Ouais, c'est clair. Puis j'ai entendu dire aussi, t'achètes une voiture électrique, d'accord, mais bon, les batteries, apparemment, ce sera en location, alors super, quoi. Ah oui, bien sûr, parce qu'elle coûte trop cher à l'achat. Bien sûr que c'est de la location. Alors, puis en plus, là, en ce moment, là, c'est on marche sur la tête. On pousse par tous les moyens publicitaires et autres, hausse des prix du carburant et compagnie, à pousser les gens à passer à l'électrique, pour entendre là, tout récemment, qu'il fallait faire des économies d'électricité. Non mais, ils ont pas... Attends, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver encore comme conneries, hein? Il y a des éoliennes, moi on paiera d'électricité, excuse-moi, mais bon, moi ça arrête pas d'augmenter. Hein. Et les éoliennes, je sais pas à quoi ils servent. Ouais, non mais, attends, qu'est-ce que j'ai eu? Non, c'est bon. Oui, non, mais c'est clair. C'est comme pendant un temps, il y a un truc qui m'a fait marrer aussi. C'est que, à cause du Covid, il y a moins de production, ceci, cela, patin, coup fin. Donc, c'est ce qui provoque la hausse des prix. Putain, et puis après, quand tout a redémarré, donc c'est aussi, c'est ce qui favorise aussi la hausse des prix. Non mais attends, ça veut dire quoi ça? Ils croient qu'on est dupes. Non mais faut pas qu'ils oublient qu'on a monté, qu'on a changé d'une classe, on n'est plus en première maternelle, mais en grande maternelle maintenant. Bah ouais, même quand tu fais tes courses, soi-disant on a pénurie de moutarde, on a pénurie de ceci, cela. Comme j'ai dit au magasin où j'ai fait mes courses la dernière fois, j'ai dit, il n'y avait plus de ceci, mais c'est là, putain, je regarde la grosse, je dis, mais il y a un problème, non? Nous on livre toutes les centrales, il y a tout ce qu'il faut, et puis dans les magasins, il n'y a plus rien, il n'y a pas un souci dans le bordel, là. Et voilà. Ouais, il y a pénurie de moutarde parce qu'ils en ont marre de voir les gens avoir la moutarde qui leur monte au nez, quoi. À force de nous prendre pour des jambons, quoi. Bah ouais, je te raconte pas. Là, hier après-midi, sur la fréquence, sur le 19, là, hier après-midi, il y a du monde sur le 19, mais alors je te raconte pas, hein. C'est le 19 FM, quoi. Alors là, comme j'ai pris le micro, j'ai dit, mais je comprends plus rien. Le canal d'appel, c'est le 19 FM, là, je comprends plus, là, il y a un schmilblick, là. Tu parles de station étrangère? Si c'est le cas, effectivement, il y a des pays où, de toute façon, ils sont quand FM. Au niveau station française, c'est vrai que j'ai remarqué ça, les gens, je sais pas, je piche pas trop, au niveau des Français, je piche pas trop. Il y en a qui, je sais pas, c'est comme tout le reste, hein. À quel moment les gens réfléchissent? Ah, je suis trois coups! Ouais, c'est clair, non mais c'était que des stations françaises, hein, sur les FM. Hein. 19 FM, c'était que les stations françaises. Donc c'est pour ça que je comprenais plus rien. Là. J'ai dû louper l'épisode, moi, ah, chi. Ouais, non mais c'est eux certains qui ont loupé un épisode. Ils sont persuadés qu'en changeant de mode, forcément, ils moucheront pas, ils ne moustacheront pas le canal où ils sont. Ouais, non mais j'ai remarqué ça aussi. Hein. C'est comme là, plus au sud, il y a un département où tous les jours, ils prennent plaisir à se mettre sur le 19 AFM.
D'ailleurs, vu l'heure, je suis étonné qu'ils n'y sont pas, quoi. Quoique, vu là où je suis perché, avec la puissance que j'ai derrière, ça va certainement les faire chier un peu s'ils veulent se mettre en FM. Ouais, et après, ils vont dire qu'il y a des porteuses à chier. Ils ont qu'à rester en AM. Parce que de toute façon, de tout temps à jamais, le 19, il a toujours été utilisé en AM. Ça a commencé aux États-Unis et ça s'est répandu sur la planète entière, que comme quoi le 19 est en AM. Alors celui-là qui cherche la petite bête, c'est sûr, il va vite dire il n'y a pas de texte, de loi qui dicte ça. Là, mais c'est faut juste comprendre les usages, c'est tout, quoi. Ah tiens, non mais c'est curieux, j'avoue que je comprends pas trop, quoi. Je suis pas trop de, oui j'ai les ouvriers qui sont en train de boucher là ici, je suis pas trop moi de cette mentalité là, j'ai failli dire de cette génération, mais si ça passe par tous les âges de toute façon, non je suis pas du tout de cette mentalité là, quoi. Je vais me mettre en FM, eh bien, je vais me mettre ailleurs que sur les canaux d'appel, déjà, tant qu'à faire. Je sais pas, c'est comme je vois qu'ils se mettent en BLU aussi sur le 19. Quel est l'intérêt? Il y a aucun intérêt à ça, quoi. Si ce n'est que de se faire remarquer et attirer le monde à soi. Ah, quoique, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, quand on regarde sur Facebook, mais qu'est-ce qu'il y a comme nombriliste là-dessus, quoi? Ouah, aïe, 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 aïe. C'est, regardez-moi, je suis le centre du monde. Oh putain, loin de moi, ça. Bah ouais, c'est ça. Alors, ça y est, t'es prêt, là, pour ton petit week-end, là, à Bahreïn? Putain, oui, avec le panique que j'ai, là, ça fait déjà une semaine que la voiture est chargée, là. J'ai tout le matériel derrière, hein. J'ai la station, ma caisse expédition, j'ai les antennes, la président Himalaya, j'ai 6 mètres de tube, les câbles, tout, deux sacs de poste. Alors là, j'emmène pas tout parce qu'on a un invité surprise qu'il faudra caler entre la planète Sibi francophone et FCBA 33. Bon, je vais réduire davantage de mon côté pour laisser quand même suffisamment de marge à FCBA 33. Et donc là, j'emmène moins de matériel, mais de toute façon, l'accueil sera toujours aussi chaleureux. Et t'as vu du côté forum, il y a du monde qui va venir. Hein. Ouais, bah c'est bien. D'abord, moi, je pourrais pas venir, de toute façon, c'est clair. De toute façon, les week-ends, moi, c'est même pas la peine. Je peux rien faire. Donc, les week-ends, je peux rien faire. Donc, j'arrive le samedi, je repars le dimanche. Voilà, quoi. Donc, on peut pas faire grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Non, bah, sinon, bah, je sais pas, je vais voir, là, parce que je vais peut-être revendre du matos, là. Donc, je vais bien voir. Hein, je suis en train de réfléchir, là. Vu que j'ai un autre projet en cours, donc, je vais peut-être revendre du matos. Ah, et tu vendrais quoi, là, comme ça, juste dans l'idée, là, enfin, si t'as quelques idées? Bah, déjà, j'ai mon petit Kenwood de TS-50, là, que je vais peut-être mettre en vente, là. Ok, d'accord. Oh, il devrait bien partir. Ouais, j'ai un projet, là, en cours, là, et comme ça coûte un petit peu cher, donc je suis obligé de vendre. Ouais, bah c'est sûr, hein, y a pas le choix, quoi. C'est sûr. Hein. Moi, si je voudrais vendre quelque chose, pas ce que j'utilise, déjà c'est clair. Et dans ce que j'utilise pas, bah, c'est du côté de ma petite collection. Et les postes, ils sont pas vraiment en état de fonctionnement, surtout parfait.
je les fais jamais tourner, hein. C'est histoire de, comme certains on va dire, histoire de posséder, et puis c'est tout, quoi. Je les ai, je suis content de les avoir, mais je les utilise pas pour autant. C'est vrai que certains vont dire que c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est sûr, mais bon, on peut pas être partout en même temps. Voilà, ouais, bah c'est ça. Bah c'est pas comme le Nord, hein. Le Nord, là, il fait tourner ses postes, hein, dans son véhicule, là. Ah, je sais pas combien de postes qu'il a, mais alors, mon dieu. Il arrête pas. Ah, j'ai laissé un blanc parce que j'ai entendu quelqu'un se signaler derrière. Les 73-51 à la station de la part de Barracuda 56 qui est à Perpète-les-Oies. Et de ma part, Dandy 33, Hachi 3 coups. Ouais, non mais Nounours, il est excellent, quoi. Puis en plus de ça, il a le truc, hein, pour expliquer pour expliquer simplement, en plus, le fonctionnement de ses postes. Et là, celui-là qu'il a mis là, en ce moment... Ah putain, il serait les bienvenus chez moi, celui-là. Ah oui. Ouais. Avec son cadran aiguille, là, bien rond et tout, là, bien gros. C'est... C'est vrai que... Bah tant pis. Non, mais tu peux arriver à la voir, hein. Là, tu lui offres des nounours en chocolat guimauve. T'arriveras à l'échanger. Oh putain, ouais, il va falloir que j'y balance cette connerie. Que je trouve une photo d'une boîte de nounours, comme ça au chocolat. Je lui fous en réponse. J'y ai maintenant, tu me donnes ton zut. Zut. Ah, j'ai oublié le nom. Zut. Ben tant pis. C'est le Magnum. Oui, le Magnum, voilà, c'est ça, le Magnum. C'est, il m'a montré une version qui y ressemble, mais en Striker. Mais il fait que AMFM, là, celui-là qu'il m'a montré. Ouais, sur un site, j'ai vu ça aussi. Il y a le même, mais il fait que mode AMFM, ouais. Il y en a pas mal, ouais. Ah, et puis là, je veux pas dire à Alexis Grekel, tiens, j'aimerais bien changer de poste. Oh putain, alors là, pour le coup, avec les dépenses qu'on a fait dernièrement, je crois que c'est même pas la peine, même pas en rêve. D'ailleurs, elle m'a même pas parlé, au fait, c'est vrai, d'un peu d'argent de poche, au cas où je trouverais 2-3 trucs à l'arène. Tiens, donc, c'est vrai, au fait. Hop. Ou alors, elle attend le dernier moment pour me dire, tiens, t'as droit à ça, quoi. Oui, tu crois pas si bien dire, parce que avant de la connaître, j'étais plutôt panier percé. Et ben, compte bancaire percé avec. Plus depuis, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend plus sur les ondes, la voix des ondes. Eh bien là, bonjour. Là, vu l'heure qu'il est, elle est pas loin d'arriver au pro. Ouais, après 7h. Ben sur Bordeaux, hein, fait tous les jours l'aller-retour poil, c'est 500 km par semaine, hein, juste le boulot, c'est tout. Hein. Au secours. Et là, ouais, elle est en train d'arriver là-bas. Ouais, là, avec le prix du gasoil, ça fait quand même un trou dans le budget. Hein. Là, moi, c'est pareil. Voilà, moi, j'ai plus de voiture, donc pour l'instant, ça va, hein, j'ai plus de voiture. Ah, si. Elle est partie à Lyon, ma voiture. Elle est partie à Lyon, là. C'est ma fille. Donc, vu qu'elle avait plus de voiture, je lui ai prêté la mienne pour l'instant. Donc, là, vu la conjoncture actuelle. Mais bon, ça le fait, c'est pas grave. Moi, je suis toujours en mille pattes, il n'y a pas de soucis. Putain, mais tu m'arrives avec un 7 Ego 7. T'as mais t'étais. Ouais, non, mais je comprends bien. T'as mais t'es pas loin de moi ou quoi? Bah là, je suis à Béchac et Caillot. Oui, mais là j'ai l'air con, là, je sais plus où c'est, quoi. Ouais,
plus où c'est. Chaque caillou, tu sais plus où c'est. Bah tu passes devant chaque fois que t'allais sur Bordeaux quoi au final. Ok, sur les côtés de National 89. Ok, ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Ouais, bah oui, donc un vol d'oiseau, moi je suis carrément là en haut de Saint-Émilion. Donc effectivement, ça peut passer. Hein. Bah oui, parce que toi aussi tu m'arrives à un signal de 7, donc. Donc là, 57, hein. Ah ouais, d'accord. Et en plus de ça, j'ai la puissance derrière. Oui, moi aussi. Parce que je me suis dit, pourquoi tu serais tout seul, Hachi. Oh, Hachi, trois coups. Bah, ils sont pas loin, les gens. Bah, la belette, ça fait un moment que j'ai pas eu en fréquence. Hein. Je sais pas ce qu'il vient. Ben moi c'est pareil, hein. J'ai aucune idée de ce qu'il vient. Pendant un temps il était passé en international, puis après il est revenu en régional. J'ai aucune idée. Nico c'est pareil, j'ai pas de nouvelles. Hier matin j'ai eu Zulu 33. Ce matin apparemment il doit être ailleurs. Et à Marc, c'est vrai qu'on a une période de vacances en ce moment, j'avais oublié quoi. Ah oui, c'est des vacances pour beaucoup de gens, pour beaucoup de monde. Bracard, on va plus l'entendre, il est en vacances, à chier. Oui, alors lui quand il passe, hein. Oh la vache. Alors là, quand t'as le trio Dracard, Nounours, Triple 6. Qui sont en fréquence. En plus, là-dessus, tu rajoutes Cédric de Belgique. Alors là, le 19, là, c'est bon, c'est mort pour les autres. Excellent, quoi. Ouais, c'est clair. Cédric de Belgique, je l'ai eu aussi en fréquence. Le triple 6, je l'ai eu en fréquence la semaine dernière. C'est pareil, il passait fort. Là, il a pas de problème. Il a pas de soucis, on va dire. Il a ses antennes, il a une antenne Striker là, à 10, je crois. Donc ça passe bien. Ah oui, tu m'étonnes. Cette antenne, je l'ai vue de près sur le camion de Monopoly. Voilà, ça y est, putain, pour une fois, je retourne sur QRZ. Je l'ai vue justement sur le camion de Monopoly. C'est une sacrée antenne, hein. Waouh. Ouais, là, j'ai un petit peu de mal, là. J'ai les camions à côté, là, qui me font du QRM, là, dans tous les sens, là. Donc, c'est pas facile. Oui, et puis là, j'ai le signal qui a baissé de plus de moitié, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, là, je suis au niveau du bâtiment, là, donc, avec tous les camions qui se mettent autour de moi, là, donc, ça commence à être compliqué. Ok, bon, on va pas insister, parce que pour que t'aies perdu autant comme ça au niveau signal, je serais pas étonné que c'est qu'ils te foutent du tout, ça, les petits cons. Donc, on va peut-être arrêter là et pas risquer la connerie. Parce que là, bon, quand même, t'es en camion, même si t'as d'autres camions autour de toi, ça doit passer quand même. Mais je suis quand même un petit peu surpris que là, ça t'ait réduit à ce point la réception. Et l'émission, surtout. Ouais, tu vois, même là, j'ai du mal à te sortir avec tous les camions. Donc, il n'y a pas de soucis, bah, tu pars à 7h, hein. Ouais, tu finis à 7h, je crois. Hein. Ouais, tu déposes à 7h, donc je vais aller voir s'ils ont fini de me décharger. Sinon, je te reprendrai peut-être tout à l'heure. Hein. Mais sinon, je te souhaite les bons 73-51, et puis si je t'ai pas en fréquence, un bon 144. Hein. Oh ben là, ça m'étonnerait que tu mets tout à l'heure, puisque dès que je vais descendre de mon perchoir, là, ça va plus passer. Et par rapport à toi, je vais m'éloigner, puisque moi, je suis encore un peu plus loin. Oh, j'ai pas grand-chose, hein, j'ai 10 km, c'est tout. Hein. Mais je vais être complètement caché, justement, par la colline de Saint-Émilion.
Ok, ouais, bah, j'ai regardé, là c'est vraiment petit, là, signal de 3, là tu m'arrives par rapport à 7 tout à l'heure. Ok, les 913-51 à toi, content de t'avoir eu en fréquence. En arrivant, j'ai du boulot, j'ai encore une nouvelle vidéo à travailler. Oh nom de Dieu. Je travaille les vidéos le jour, je bosse la nuit. Waouh. Et avec ça, il faut que je trouve le temps de dormir. Allez, je vais te laisser. Bonne journée, bonne route. Les 73 à tous ceux que tu rencontreras sur la route. Et à la prochaine. Ok Spike, les 73-51 à toi, donc ça passe très QRP. Heureusement que ben, j'ai rangé tout le matériel qu'il y avait dans la voiture, là pour le coup, du coup j'ai plus de QRM. C'est le PC qui j'avais le PC de poser là sur le j'allais dire sur la selle, n'importe quoi, sur le siège passager. Et c'est lui qui me foutait un QRM là cette nuit, hier soir et tout, là, et là tout est rangé, là c'est nickel propre là en fréquence. Et là, t'es vraiment passé bon, à une radio de 4. Et Santiago 0, radio de 4. Là, ça passe bien. Les 913-51, toi, ça faisait un moment que je t'avais pas entendu. Ok, Barracuda, à plus. Ah bah tu m'étonnes. Bon, ouais, c'est vrai que des fois ça prend du temps de passer les câbles. Oh, ça me rappelle une connerie. Sur la voiture d'un OM, là, il y a quelques années de ça, il me dit, j'ai pas de passe-câble pour passer de l'habitacle vers le moteur. Putain, nom de Dieu, il n'y a pas de passe-câble, moi je vais t'en faire un passe-câble. J'attrape la massette, la pointe-rôle. Je peux te dire que le passe-câble, il s'est fait tout seul entre l'habitacle et le compartiment moteur. L'autre, il était bleu. Et là, on a passé le cap comme ça, nickel. Alors bien sûr, en faisant ça, la massette pointe-rôle, le métal, il s'était replié de l'autre côté. Donc les bords bien ronds. Ça a été nickel. Après, un petit coup de joint silicone autour de tout ça. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Ah si. Alors ben, peut-être que je te verrai samedi à Marennes, au salon radio amateur de Marennes, peut-être, on sait jamais. Par contre, je vois là, il est 7h-10, il va falloir que je cuirte, que je commence à plier le matériel pro, que je commence à ranger tout ça, parce que là, je débouche à 7h. Donc, je vais couper court, là. Je vais t'envoyer les 913-51. Content de t'avoir eu en fréquence. Bonne journée à toi. À plus. C'est bon, ça. Ok, ouais, bonne fin de pro, tu veux dire. Et je reviens ce soir, et donc demain matin, si tu es en fréquence avant 7h, ben j'y serai à nouveau aussi. Allez, bonne journée, à plus. Eh ben c'est cool, ça. Ah, je m'attendais pas du tout. C'était mal engagé ce matin pour avoir du monde en fréquence. Et puis du coup, si...
Bon, oui, ça c'est calme. Ça c'est l'effet vacances. Maintenant, j'ai fait qu'un passage. Hein. Donc, il suffit que je sois passé entre deux reprises de micro et puis ça donne cette impression de vide. Bon, allez, bonne soirée 1351 à tous, à part de Dindy 33, 14 km 3301, Rémi. Et à plus.